sinistrés du quartier Akébéville dans le 3e arrondissement de Libreville ont reçu le week-end écoulé l'appui de la Confédération nationale de management, dont le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, est la marraine. Produits de première nécessité et sensibilisation des populations à quitter les zones d'inondation étaient à l'ordre du jour. Le point avec Djiri Bougou, Bivougou et Michel John Boudéan. Pas à pas dans les quartiers. Aller vers des familles préalablement répertoriées pour leur sensibilisation en vue de quitter les zones inondables et apporter un appui. C'est en cela que cette structure de femmes parcourt les coins, zéro coin d'Akébéville. C'est un élan de solidarité envers les populations d'Akébé. Nous avons été contactés par un certain nombre de femmes avec lesquelles nous avons déjà travaillé dans un premier temps. C'était déjà l'élan de solidarité du chef de l'État qui a pris en charge ces sinistrés. Nous nous sommes dit, si on nous appelle, eh bien, on vient là où on nous appelle. Et aujourd'hui, nous apportons un don de première nécessité parce que ces femmes-là ont perdu du matériel, des cahiers pour les enfants, vraiment le matériel de première nécessité. Nous sommes dit, nous en sommes capables et nous les offrons. S'appuyant sur les principes d'entraide, la Confédération nationale de management autrement n'en est pas pour autant une vieille structure. Alors, la Confédération nationale de management autrement est une association qui regroupe des femmes au profil totalement différent. Nous avons des administrateurs du secteur public et privé, nous avons des entrepreneurs, nous avons des femmes politiques, nous avons un profil un peu vraiment divers et varié. Travaillant souvent dans l'ombre, ce regroupement de femmes, dont la marraine est l'édile de la capitale, Rose Christiane Osuka Raponda, entend intensifier ses actions sur le terrain pour le plus grand bien des populations vivant dans des conditions précaires.